du 16 janvier au 17 janvier pour ceux qui étaient sur l'axe Djegbadji. Je ne sais pas s'il y en a ici. J'étais là. Sur l'axe Djegbadji. La cocoterie. La cocoterie. Alès Chaudaton est là. Voilà. J'étais là-bas, moi. Ah. Vous étiez avec nous, monsieur le ministre. Bon. Le mot de passe ce jour-là, je disais chien et lui devait répondre mouton. Je vois l'ombre de quelqu'un là et je dis chien. Il ne répond pas. Je dis chien. Il ne répond pas. Et j'arme le match Francis. Crac, crac. Et il dit Batoko, c'est moi. Batoko, c'est moi. Alors, comme j'ai rappelé à cette heure-là, que c'est moi qui devais être de faction. Et je dis, c'est toi qui? Et c'est là qui se rappelle. Mouton, mouton, mouton. Souvenir, souvenir. Aujourd'hui, nous en rions, mais il y a 40 ans, c'était des sueurs froides. Soldat de 10e classe Pierre Rochat, membre de la 3e promotion, matricule 72-12, promotion au tir de la promotion. Aujourd'hui, nous, la plupart d'entre nous sont des sexagénaires, des septuagénaires, et c'est avec une certaine philosophie que nous regardons le rétroviseur de notre histoire nationale. Des perspectives ne manquent pas pour maintenir ce creuset. Nous allons essayer de tout faire pour que au moins l'histoire du 16 janvier soit évoquée du point de vue des historiens. Bien entendu, nous aussi nous raconterons le 16 janvier, comment nous l'avons vécu, ce que nous avons connu comme événement, tout cela. Nous allons tout faire pour le raconter et dire nos souvenirs. Pour cette 3e promotion des assujettis baptisée Promotion Victoire, l'agression de janvier 77, plus qu'une aventure, est une fierté.